The Orlando Magic selects. Yo, if you got guns, then bring them. Got the pain, and I'm gonna sing them. Reign supreme, and I mean to be the dream of this. Everybody know that I'm scandalous. Bonjour et bienvenue à tous dans ce 35e épisode des NBA Stories. La chaîne approche à grands pas du seuil des 50 000 abonnés atteints et nous souhaitons remercier tous ceux qui ont fait preuve de générosité pour soutenir notre travail. Si vous souhaitez également nous supporter, vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien pour offrir un pourboire. Aucun montant n'est requis et votre nom apparaîtra dans le prochain numéro des NBA Stories. Pour ne rien manquer de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin d'être tenu informé de chaque nouvelle vidéo. Merci à tous. Si les activités de la NBA sont à l'arrêt en ce moment, l'histoire de la Grande Ligue regorge toujours d'histoires passionnantes. Aujourd'hui, nous allons explorer la légendaire rivalité entre Larry Bird et Magic Johnson. Deux joueurs que tout opposait, mais qui furent finalement liés pour l'intégralité de leur carrière. Sans plus attendre, installez-vous confortablement à 2 mètres les uns des autres et plongez avec nous à la découverte des meilleurs ennemis de l'histoire de la NBA. La tension était à son comble lorsque les Washington Bullets appelèrent un temps mort à 12 petites secondes du coup de sifflet final. Menés 3 matchs à 1 à l'entame de ce 5e match des finales NBA 1979, il leur fallait remonter un déficit de 4 points en une dizaine de secondes seulement pour rêver à une victoire. Un espoir qui s'éteignit lorsque Greg Ballard manqua son tir pour permettre aux Seattle Supersonics de remporter le premier et seul titre de leur histoire. Si les avenues de la cité Emeraude furent débordantes de fans célébrant leur équipe championne, cet événement passa totalement inaperçu dans le reste du pays, qui s'était désintéressé de la NBA. Depuis la fin de la rivalité entre les Celtics de Bill Russell et les Lakers de Jerry West, la Grande Ligue avait eu grand mal à retrouver une identité et voyait sa popularité chuter d'année en année. Malgré la fusion avec la compétition concurrente ABA, rien ne semblait endiguer la disgrâce de la Ligue auprès des fans. La violence omniprésente lors des matchs et la consommation de drogue très courante parmi les joueurs furent des éléments clés du déclin de la NBA des années 70. Surtout, le très grand nombre de joueurs afro-américains fut mal perçu par une partie du public conservateur. 12 ans seulement après la fin de la ségrégation, les tensions raciales étaient encore à leur comble et cela précipita l'indifférence du public blanc pour la NBA. La National Basketball Association, in its 33rd season, is troubled by diminishing crowds and declining television ratings, signs that fan interest maybe waning. It's turning off a lot of white customers that are coming to the game, you know. Why? I think there's a conflict between the white and the black, and I don't enjoy going to the basketball and seeing all black players. Au bord de la faillite, c'est de façon surprenante que la Grande Ligue connut une véritable renaissance grâce à l'arrivée de deux très jeunes joueurs. Pour découvrir cette aventure, il nous faut tout d'abord remonter quelques mois auparavant ces finales. D'habitude si paisible, Salt Lake City était étonnamment en ébullition en ce 26 mars 1979. La capitale de l'Utah accueillait alors la finale du tournoi de basketball universitaire, avec comme tête d'affiche les Sycamores d'Indiana State contre les Spartans de Michigan State. They are getting set here for what promises to be one tremendous championship game for the National Intercollegiate Basketball Title. Ce duel attira toute l'attention du public américain, qui se présenta en nombre devant leurs petits écrans pour le suivre. Avec 35 millions de téléspectateurs, cette rencontre reste jusqu'à aujourd'hui la plus regardée de l'histoire des finales universitaires. L'effervescence autour de ce match repose sur le duel entre deux adversaires qui s'affrontaient alors pour la toute première fois. Deux jeunes vedettes qui n'avaient rien en commun, mais qui furent pourtant liées durant l'intégralité de leur carrière. Ces joueurs portaient le nom de Magic Johnson et Larry Bird.
biggest game I'll ever play in my life, and I just feel like, you know, I'm representing not only myself, my team, but we're representing our school and our town of Terre Haute. Well, it's a dream come true, really, for me. I won the state title back in my home state, and then my next accomplishment was going to the NCAA and playing in a game like tonight in the finals. Si les deux jeunes joueurs furent propulsés sur le devant de la scène au même moment, leur trajectoire fut pourtant très différente. Né en 1959 à Lansing, dans l'état du Michigan, Irvin Johnson Jr. était reconnu depuis sa tendre enfance pour sa joie de vivre contagieuse, malgré les maigres moyens de sa famille. Fils d'Irvin et Christine Johnson, il grandit dans une petite maison surchargée par ses 9 frères et sœurs. Ville industrielle du Michigan, Lansing était renommée comme un centre de confection automobile, où Irvin Johnson Sr. travaillait de façon intensive pour subvenir aux besoins de sa famille. Si l'abondance n'était pas de mise, l'envie de sourire du jeune Irvin ne tarissait en aucune circonstance. Bien qu'il prenait plaisir à s'amuser avec les enfants de son âge, son loisir favori était de s'entraîner au basketball autant qu'il le pouvait. Véritablement passionné par la balle orange, il profita de sa grande envergure pour dominer tous ses camarades et avait d'ores et déjà un objectif de vie bien tracé, rejoindre la NBA. Reconnu dans sa ville pour ses talents de basketteur durant toute sa jeunesse, il rejoignit le lycée Sexton avec l'ambition de décrocher une place parmi les meilleures universités du pays. Malheureusement, il rencontra un obstacle de taille lorsque la ville décida de transférer Johnson dans un lycée blanc dans le but d'augmenter la mixité entre les communautés. Dès sa première journée au lycée Everett de Lansing, il découvrit en profondeur l'hostilité entre les élèves blancs et noirs qui ne se fréquentaient jamais. Toujours bon vivant, c'est grâce au basketball que le jeune Johnson commença à se faire un nom dans son lycée, malgré sa couleur de peau. Dès sa première année, les journaux locaux ne furent pas avares d'éloges pour celui qui s'était vu affublé par les autres élèves d'un surnom qui ne le quittera plus jamais, Magic Johnson. Coupe afro, accoutrement haut en couleur et goûts musicaux d'exception, Magic était devenu l'élève le plus populaire de son lycée, aussi bien auprès des étudiants blancs que noirs. Loin d'être effrayé par la lumière, il s'en nourrissait au contraire pour proposer des actions toujours plus spectaculaires sur les parquets. 3 ans après sa difficile arrivée au lycée Everett, Magic n'avait pas perdu de vue ses objectifs et remporta avec son équipe un titre de champion du Michigan. Irvin Johnson, you're a very sought-after player. You shoot well, you pass well, you dribble, score, assist. We're trying to figure out what you do best. Do you know? We can't figure it out. No, just try to help and contribute to the team. That's what I do best. Attaché à sa région natale, il prit la décision de rejoindre l'Université d'État du Michigan à Lansing. Next year, I will be attending Michigan State University. Il ne fallut que peu de temps à Magic Johnson pour faire connaître son nom dans le pays entier grâce à des prestations de haut vol avec les Spartans du Michigan. Alors que tous les jeunes du Michigan n'avaient que son nom au bout des lèvres, Magic Johnson découvrit qu'une autre vedette lui faisait de l'ombre dans un état voisin. Né en 1956 à French Lick, une bourgade de l'Indiana, Larry Joe Bird fut élevé en pleine campagne avec ses 5 frères et sœurs. La famille Bird avait beau être blanche, cela était loin d'être synonyme de richesse, eux qui bouclaient difficilement les fins de mois. C'est dans l'un des plus pauvres comtés de l'Indiana que Larry Bird passa son enfance, à l'abri de l'agitation d'une Amérique, pourtant en ébullition. Son père, Joe Bird, était un ancien vétéran de la guerre de Corée qui ne sut jamais parvenir à oublier les stigmates du front. Dépressif et sans le sou, c'est dans l'alcool qu'il noya son chagrin et le jeune Larry assista à la chute de son père dans les affres de l'alcoolisme. Incapable d'échapper à ses démons, il incombait souvent à sa femme Georgia de cumuler les emplois pour subvenir aux besoins de la famille. Timide et introverti,
c'est en jouant au basketball que le jeune Larry Bird se découvrit un véritable exutoire. Dès sa tendre enfance, il dévoua logiquement la majorité de son temps à la pratique de ce sport. S'il n'était ni le plus rapide, ni le plus agile, Larry Bird démontra rapidement une grande intelligence de jeu qui lui permit d'enchaîner panier sur panier avec une étonnante précision. Devenu une vedette locale lors de ses saisons lycéennes, Bird tapa dans l'œil de Bobby Knight, l'entraîneur de l'université d'Indiana, qui lui offrit une place dans son effectif. 60 miles au nord de French Lick, Larry Bird découvrit un monde étudiantin bouillonnant et agité. Hors de la campagne pour la première fois de sa vie, son introversion refit rapidement surface et il décida de quitter l'université seulement quelques semaines après son arrivée. De retour à la campagne, il occupa des petits boulots, loin de l'agitation urbaine. Cleaning the streets. The guys I was working with were great guys. I knew them all my life, and I'm still grateful that they gave me the job. En quête d'une identité, il assista à l'inexorable chute de son père. Désormais divorcé, Joe Bird était submergé par les créances et son alcoolisme toujours plus sévère. Démuni, il troqua le whisky pour un pistolet et mit fin à ses jours de façon dramatique, alors que Larry avait 19 ans. Davantage refermé sur lui-même après ce tragique événement, le basketball s'éloignait chaque jour d'un jeune Larry Bird totalement déboussolé. Mais Bill Hodge, l'entraîneur de l'université d'État d'Indiana, vint à la rencontre de Larry Bird en lui offrant une seconde chance dans cette faculté de taille plus modeste. Pressé par sa mère d'accepter cette opportunité, il s'engagea finalement avec les Sycamores d'Indiana State en 1975. L'équipe n'était jamais parvenue à participer à un tournoi universitaire auparavant, et la présence de Larry Bird métamorphosa instantanément son jeu. L'enfant de la campagne ne tarda pas à devenir une véritable vedette, et les journaux du pays entier scrutèrent cette étoile montante du basketball. Lors de sa troisième saison, Larry Bird porta son équipe vers un incroyable bilan de 33 victoires pour 0 défaite. C'est ainsi qu'ils se hissèrent jusqu'en finale face aux Spartans de Magic Johnson. Alors que ce dernier n'hésitait pas à se mettre en spectacle pour haranguer les foules, Larry Bird se montrait au contraire toujours aussi économe en parole et fit savoir que les projecteurs n'étaient pas son objectif. Start to read materials that you're very quiet and you don't enjoy talking to newspaper people. Well, you know, there's different kind of newspaper people. There's people that try to push you. You know, there's people try to get things out of you. Things don't even pertain to basketball, and them the type of people I like to stay away from. Si cette finale 1979 était le premier affrontement entre Bird et Johnson, les deux joueurs avaient déjà joué ensemble quelques temps plus tôt sous les couleurs de la sélection américaine, qui ne comptait alors pas de joueurs professionnels. Bien qu'ils n'eurent qu'un temps de jeu restreint, ils exposèrent une étonnante alchimie et démontrèrent clairement qu'ils étaient les futures vedettes du basketball. Mais amitié et compétition ne faisaient pas bon ménage pour Bird, qui fit toujours preuve de distance avec Johnson, notamment lorsque celui-ci vint à sa rencontre avant le coup d'envoi de la finale. Un joueur blanc, un autre noir. Un joueur timide,
un autre extraverti, un joueur rugueux, un autre spectaculaire. Voici les contours de la rivalité entre Larry Bird et Magic Johnson, qui n'était qu'à ses balbutiements, mais alimentait déjà tous les débats. Dès le début de la rencontre, la défense agressive des Spartans sur Larry Bird mit à mal son efficacité offensive. Le joueur de l'Indiana proposa finalement une maladroite prestation, qu'il appellera plus tard la pire de sa vie. Avec leur ailier dans un mauvais soir, les Sycamores ne furent pas en mesure de répondre à l'efficacité proposée par les Spartans. L'équipe de Magic Johnson remporta finalement les débats avec 11 points d'avance pour devenir champion national. Coach gave us a good game plan to go against Larry Bird, and all we had to do was go out and do it. That's what we done. Congratulations, Super Bowl game. Si Larry Bird avait perdu une bataille, il était toujours avide de poursuivre sa guerre contre Magic Johnson à l'échelon supérieur. Red Auerbach, le mythique entraîneur des Boston Celtics, avait jeté son dévolu sur Bird, qui fut drafté en 6e position. De l'autre côté du pays, un jeu de pile ou face offrit aux Los Angeles Lakers la première sélection de la draft 1979. Les Californiens l'utilisèrent pour drafter sans hésitation Magic Johnson. Dans un contexte marqué par des dissensions raciales encore omniprésentes, une large partie du public blanc se réunit rapidement derrière l'étoile Larry Bird, qui fut perçu comme l'élu, enfin capable de détrôner l'hégémonie noire sur le basketball. Pourtant, dès le début de sa riche carrière, Bird exprima son désamour pour cette étiquette et le peu d'intérêt qu'il portait à sa couleur de peau. There's hope he can help solve professional basketball's difficulties, which some say are compounded by a question of black and white. Great white hope. What does that mean? Well, you know, it's very hard to say because there's a lot of great white players around, and I just hope that I can just fit in as well as some of them that has fit in. You know, the great players are the black players, and they're the best. Bien que faisant partie de l'élite de la ligue, les joueurs noirs des Celtics découvrirent très rapidement l'or que le jeune Larry Bird possédait entre les mains. Boston avait assurément besoin de l'énergie de leur nouvelle recrue pour sortir la tête de l'eau après plusieurs saisons très compliquées. Depuis la fin de l'ère Bill Russell, puis le renouveau de l'équipe menée par Dave Cowens, Boston n'arrivait pas à retrouver le devant de la scène. Le visage de l'équipe fut toutefois littéralement métamorphosé par l'arrivée de Larry Bird, qui décrocha grâce à ses prestations le titre de rookie de l'année. Ayant vécu entre la pauvreté et l'alcoolisme de son père, Bird démontra qu'il n'était pas seulement un incroyable joueur de basketball, mais également un véritable guerrier qui n'était pas prêt à se laisser marcher dessus. Contrairement à Julius Erving, avec qui il partagea une fameuse bagarre, le jeu de Larry Bird n'était pas particulièrement classe ou élégant. Dur au mal, le joueur de Boston représentait l'ancienne école du basketball, faite de courage, de hargne et d'abnégation. Le tempérament de Bird fut rapidement adopté par les habitants de Boston, une région connue pour son passé industriel et ouvrier. De plus, ses origines irlandaises créèrent un lien avec cette communauté, particulièrement présente en Nouvelle-Angleterre. Mais Larry Bird n'était pas seulement provocateur, il était également un compétiteur né qui mena les Celtics à un titre de champion en 1981, seulement 2 ans après son arrivée en NBA. Malgré le succès et les paillettes, Bird n'avait pas pour autant rangé son introversion au placard et fuyait toujours autant l'exposition médiatique. Loin des soirées endiablées et de la mondanité, il préférait passer son temps à jardiner et améliorer son jeu toujours davantage. Désormais millionnaire, Bird n'avait pas pour autant oublié ses racines campagnardes, et c'est à la ferme qu'il séjournait lors de l'après-saison pour se ressourcer. Un comportement aux antipodes de son plus grand concurrent de l'autre côté du pays.
Démonstratif et exubérant, Magic Johnson s'était parfaitement acclimaté aux paillettes de la Cité des Anges dès son arrivée en Californie. Loin de la grisaille de son Michigan natal, Johnson avait épousé le glamour de Los Angeles et devint rapidement l'une des plus grandes vedettes de la ville. Comme son concurrent à Boston, Magic Johnson n'était pas seulement présent pour faire le spectacle, mais également pour garnir son armoire à trophées. Depuis l'arrivée de Kareem Abdul-Jabbar en 1975, les Lakers avaient touché un plafond de verre et n'arrivaient pas à retrouver les joies d'une finale NBA. La classe et l'énergie de Magic Johnson transforma l'équipe dès le tout premier match de sa nouvelle recrue. Abdul-Jabbar raconta plus tard. He came at the perfect time for my career because I'd lost a lot of enthusiasm. His skill and expertise is what the team is lacking. We improved so much. De la joie et de l'énergie, Magic Johnson n'en manquait pas, et sa bonne humeur contagieuse gagna rapidement les ferveurs des supporters. Dès sa saison rookie, il prouva l'étendue de ses talents en hissant les Lakers jusqu'en finale NBA. Avec Abdul-Jabbar sur la touche pour cause de blessure, il dut endosser une position inhabituelle de pivot lors du match 6 contre Philadelphie. Une performance qu'il conclut avec 42 points, 15 rebonds et 7 passes décisives. L'une des plus incroyables prestations de l'histoire des finales NBA. Incapable de maîtriser la fougue du jeune joueur, les Sixers rendirent les armes et Johnson remporta un titre de champion dès sa première année dans la Grande Ligue. Cela fut son troisième championnat remporté consécutivement au lycée, université, puis NBA. What do you have that makes you perform like this in these championship games? Well, I don't know, just I love to win. Oui, Magic Johnson était devenu en une saison seulement une star nationale. Un rôle qu'il affectionnait tout particulièrement en fréquentant abondamment la jet set d'alors. Son mode de vie bouillonnant s'accompagna d'un vice grandissant dans l'effervescence des années 80. La drogue, Magic Johnson n'y touchait jamais, mais le sexe était une activité qu'il pratiquait sans aucune modération. Partout où les Lakers se déplaçaient, de nombreuses femmes s'empressaient de le rejoindre dans sa chambre d'hôtel. Il expliqua plus tard avoir eu entre 300 et 500 conquêtes sexuelles par an à cette époque. Des années plus tard, il raconta au micro d'Oprah Winfrey la concupiscence de cette période de sa vie. Did it ever even occur to you to use protected sex? No. I think at that time, it was a thing that everybody even talked about. This is the 80s. Yeah, the 80s. It was fun time, everybody having sex, unprotected sex. And yeah, I didn't have people sleep over. That wasn't the thing for me. And so it was more, you know, we had fun and then that was it. Malgré sa vie intime très active, la meilleure façon de voyager jusqu'au 7e ciel était à travers la balle orange, lui qui devint rapidement la plus grande vedette de la ligue. Irvin avait trouvé son parfait alter ego en Magic, un personnage qu'Hollywood ne tarda pas à épouser. Irvin Johnson is another guy. You know, here's Magic over here and here's Irvin over here. Très spectaculaire, cette cuvée des Lakers gagna le surnom de Showtime pour exprimer le jeu flamboyant qu'elle proposa au public. Follement compétiteur, Magic n'était pas prêt à s'arrêter à un unique titre de champion et en remporta un deuxième en 1982. Malgré leur succès, Bird et Johnson n'avaient pas oublié leur opposition et chaque affrontement entre les deux joueurs était toujours des duels hauts en intensité. Larry Bird n'avait jamais oublié la défaite de son équipe lors de la finale universitaire 1979. Depuis ce match catastrophe, le joueur de Boston avait la vengeance en ligne de mire. Un événement qui se présenta à lui en 1984, lorsque les Celtics affrontèrent les Lakers en finale NBA. Encore en délicatesse financière, la Grande Ligue avait désormais trouvé son atout marketing pour redorer le blason de sa compétition. La confrontation entre l'exubérant afro-américain Magic Johnson et le rugueux campagnard Larry Bird
était un produit commercial extraordinaire que la NBA mit abondamment en avant à l'entame de ses finales. Welcome then to the Boston Garden and the start of the NBA World Championship Series. In each of the last four NBA World Championship Series, either Magic or Bird has competed. But this is the first time that the two have gone head-to-head for the title. Les Lakers réussirent la prouesse de remporter la première rencontre dans la chaleur de l'antre des Celtics. Une performance que l'équipe de Magic Johnson était à deux doigts de réitérer quelques jours plus tard, alors qu'il menait de 2 points à moins de 20 secondes du buzzer final. Malgré la mise au point tactique de Pat Riley durant l'un des ultimes temps morts, les Lakers perdirent rapidement la balle et Gerald Henderson marqua un panier crucial pour égaliser. À partir de ce moment précis, les Lakers semblèrent mentalement déboussolés et la confiance bascula du côté des Celtics qui empêchèrent Johnson de marquer le tir de la gagne. Perdu et en manque de confiance, le meneur ne put rien faire d'autre que de dribbler dans le vent avant de voir le tir de son coéquipier contré. Les Lakers ne retrouvèrent jamais leur fougue et un tir du Bostonien Scott Wedman permit aux Celtics d'égaliser la série qui se déplaçait désormais en Californie. Los Angeles retrouva ses esprits pour gagner le match 3 par 33 points d'avance, avant d'encore céder à la pression lors de la rencontre suivante, qu'ils perdirent en prolongation devant leur public. Durant ce match haut en intensité, les Californiens perdirent totalement leurs moyens et se montrèrent bien plus violents qu'à l'accoutumée, un signe de perte de confiance. Si les Lakers égalaient le talent de leur adversaire, ils n'avaient certainement pas la même force physique, et l'agressivité leur faisait cruellement défaut lors de ce duel. Désormais égalée à deux partout, la série retourna à Boston pour ce match 5, qui gagna plus tard le surnom de Heat Game, car la climatisation était défaillante dans l'enceinte des Celtics, qui affichait presque 40 degrés au thermomètre. Encore une fois très investi, Boston remporta cette rencontre par près de 20 points d'avance, dont 34 inscrits par le seul Larry Bird. De retour à Los Angeles pour le match suivant, les Lakers, menés 3 matchs à 2, réussirent à remporter la rencontre grâce à une performance de Ovol d'Abdul-Jabbar qui permit à son équipe d'arracher un match 7, synonyme de finale. Devant près de 15 000 fans bostoniens survoltés, la rencontre débuta sur les chapeaux de roue pour finir le premier quart-temps sur le score de 30 partout. Menés par un Cedric Maxwell en fusion, les Celtics réussirent à prendre une avance de 14 points à l'entame du dernier quart-temps. Mais les Lakers n'étaient pas prêts à rendre les armes et diminuèrent ce déficit à seulement 3 petites unités. Magic Johnson, la balle en main pour recoller au score, vit son tir contré par Cedric Maxwell et Boston inscrivit ensuite 2 lancers francs pour gagner une avance de 7 points avec 26 secondes à jouer. Déboussolés, les Lakers ne furent jamais en mesure de revenir dans le match que les Celtics remportèrent finalement sur le score de 111 à 102 pour devenir champion NBA. Magic Johnson avait totalement déjoué durant ces finales et dut contempler les célébrations de son plus grand concurrent, qui glana également le trophée de MVP des finales. Larry, does this get you even with Magic for what happened between Michigan State and Indiana State all those many years ago? We're professionals now, but I won this one for Terre Haute. Les rues de Boston n'étaient pas seules à se réjouir ce soir-là. La NBA célébrant également l'incroyable explosion de popularité de sa compétition. Les finales 1984 obtinrent les meilleures audiences télévisées de l'histoire de la Ligue. L'arrivée de Michael Jordan quelques mois plus tard marqua le début d'un nouveau chapitre charnière du basketball américain. Alors que le baseball entretenait son rang de sport national et que le football américain faisait toujours davantage d'émules, la NBA avait réussi à gagner une grande popularité parmi toutes les souches de la population américaine. Un succès qui porte sans contestation la marque de Larry Bird et Magic Johnson. Si habitué aux louanges, Johnson devait faire face à des critiques saillantes
pour la première fois de sa carrière. Les médias s'en donnèrent à cœur joie et lui attribuèrent le sobriquet de Tragic Johnson pour souligner sa piètre prestation lors de ses finales. Un fameux proverbe nous apprend de ne jamais sous-estimer le cœur d'un champion, et Magic Johnson en est le parfait exemple. Humilié par son plus grand concurrent, il se mit en croisade pour prendre sa revanche aussi vite que possible. Les Lakers finirent à la première place de la conférence Ouest lors de la saison 1985, puis éliminèrent Phoenix, Portland et Denver pour retrouver les finales NBA. De l'autre côté du pays, les Celtics avaient également conclu leur saison en tête de la conférence Est. Ils se défirent ensuite de Cleveland, Détroit, puis Philadelphie pour se hisser jusqu'au final face à leur ennemi de toujours. On the East, we won the West. So it's like everybody just get ready, sit back and let's enjoy it. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to the Boston Garden for Game 1 of the NBA World Championship. Bien que motivés, les Lakers perdirent la première rencontre dans les grandes largeurs, handicapés par un Abdul-Jabbar très loin de ses standards habituels. They were going on all cylinders, and they were primed and ready for the first home game, and they deserve a lot of credit. We'll be back, you know. If a seven-game series can be decided in one game, then it would be over with, but there's going to be six more basketball games. Combatif, Los Angeles remporta les deux matchs suivants, et Boston leur répondit en gagnant le match 4 en Californie pour égaliser la série à 2-2. Haut en intensité, le duel fut marqué par la tension omniprésente entre les deux adversaires qui n'hésitèrent pas à en venir aux mains. Les Lakers avaient dû se confronter en finale face aux Celtics 8 fois dans leur histoire pour autant de défaites. Une véritable malédiction que Johnson était prêt à briser. Motivé et appliqué, il porta son équipe vers une victoire 120-111 lors du match 5 devant leur public. C'est finalement le 9 juin 1985 que le sort fut enfin rompu pour les Lakers. L'équipe de Magic Johnson proposa une parfaite prestation pour remporter le match 6 dans l'antre de leur ennemi et d'ainsi devenir champion NBA. Depuis l'université, les chemins de Larry Bird et Magic Johnson s'étaient maintes fois croisés et les deux joueurs n'avaient jamais caché leur inimitié. C'est finalement à travers le tournage d'une publicité pour la marque Converse qu'ils créèrent des liens d'amitié pour la première fois de leur vie. I said, you're crazy. I'm not shooting a commercial with Larry. So I said, okay, what, we're gonna shoot in LA? We never went to LA to film it. Well, what are we gonna shoot it? You want to shoot a commercial? Come to my house. I was like, oh no. I think the plan was I'm gonna go here, I'm gonna do what I'm supposed to do, and I'm trying to get up out of here. My plan was that. I don't know how he's gonna react. I don't know how I'm gonna react. We didn't even shake hands, so how are we gonna do a commercial together? So they say, okay, you're playing one-on-one, and I'm looking at Larry, and he's looking at me like, is this real? Are we playing? Because, you know, this is Magic and Bird. So the guy was like, no, not like that. A fun game. We were both like, oh, okay. Like, like you can see this relief coming over both of our faces. How was your summer? Oh, it's going good. How was yours? It's going great. I said, man, it's a nice spread you got. He's asked me, is this where you play? I said, yeah, I play here if it's not windy. If it's raining or windy, I go to the gym. But this is where I do all my work. I see that tractor. You work on the tractor? He said, man, I work on this tractor every day. Larry Bird, work on a tractor? He said, yeah. Then they said, okay, break. It's lunch break time. I was going to my trailer. He said, no. My mother has prepared lunch for us up at the house. We went up to the house and we sat down there and we talked, and my mom, my brothers thought the world of him. His mother was so nice, making sure I had enough to eat. I just saw my mother
It was crazy. He charmed her. Meek said, but that's magic. He makes everybody feel welcome and warm, and he's a con man. He met Irvin at lunch. Irvin is a good dude. I like Irvin a lot better than Magic. I was just so happy to finally be Irvin with him, because Magic was like, I don't know if I want to get to know this guy. But Irvin got a chance to talk about family, how he grew up. We just became two relaxed guys, just talking. That day was great. It was a great day. Beautiful day. Si les deux joueurs avaient enfin créé des liens, cela ne sonnait pas pour autant le glas de leur rivalité. Dans une Amérique encore et toujours marquée par les conflits raciaux, la couleur de peau de Magic et Bird était aussi importante que leur style de jeu. Toujours aussi peu porté sur sa couleur de peau, Bird ne pouvait pas échapper aux remarques du public et de ses pairs. Champion NBA en 1986, il dut se défaire des Bad Boys de Détroit l'année suivante, en finale de conférence. Ce duel houleux fut marqué par les remarques de Dennis Rodman et Isaiah Thomas sur sa couleur de peau. L'affaire prit une tournure si importante que les deux joueurs durent organiser une conférence de presse conjointe pour s'en expliquer. Main thing is if the statements or whatever was said doesn't bother me, I don't think it should bother any of us. Non, la politique n'était pas un domaine que Bird portait dans son cœur, sa priorité ayant toujours été le sport dont il était amoureux. Pour la troisième et dernière fois, les Celtics de Bird affrontaient les Lakers de Magic Johnson en lutte pour le titre de champion 1987. Nobody gets you up more than Boston. As long as Larry's on the other side and I'm on this side, it's gonna always be that. And after it's over, when we play in these all-star games, these old-timer games, we're gonna wanna beat each other. And after that, when I see him on a park and recreation, I'm gonna wanna kill him then too. He's gonna wanna kill me. Anytime you play against the Lakers, you get this type of feeling where, you know, you feel like you gotta win. You gotta win. I don't care if they win one game out of four or five or seven. You still gotta win, you gotta beat them, because the Celtics have always defeated. Mené 2 à 1 dans la série, Boston était à un petit point de son adversaire, à une minute de la fin du match 4. Niché dans un corner, Bird inscrivait un panier à 3 points pour reprendre le cours du match avec 14 secondes à jouer. Imperméable à la pression, Magic fit parler de son génie pour inscrire un panier plein de classe et prendre à nouveau le devant du score à 2 secondes du buzzer final. Dans un stratagème minutieusement préparé, Bird capta la balle en sortie de temps mort et prit un tir miraculeux qui finit sa route sur l'arceau. À une seule victoire du titre, les Lakers perdirent toutefois la rencontre suivante à Boston, avant de finalement remporter le match 6 pour devenir champion NBA. Vaincu, Larry Bird se montra étonnamment élogieux à l'égard de son adversaire. Magic is a great basketball player. He's the best I've ever seen, you know. Unbelievable. I don't know what to say. Cette déclaration de Bird marqua le début d'une nouvelle ère dans sa rivalité avec Magic Johnson. Si les Celtics ne retrouvèrent plus les finales jusqu'au nouveau millénaire, les Lakers parvinrent à remporter un nouveau titre l'année suivante. La popularité de Johnson était à son pic et sa vie sexuelle toujours aussi débridée. Sexe, Hollywood, champagne et boîte de nuit, autant de mots pour décrire cette époque de la vie de Magic Johnson qui était alors l'une des plus grandes vedettes américaines. Yeah!
can we get busy? De l'autre côté du pays, la carrière de Larry Bird était en déclin certain. Handicapé par de nombreuses blessures, dont l'une au dos, il ne pouvait plus performer à son meilleur niveau et s'approchait dramatiquement de la fin de sa carrière. De 1988 à 1992, Bird n'était plus que l'ombre de lui-même, accablé par un dos souffrant. Élevé avec rigueur, il ne fit pas de différence entre le métier de fermier ou de basketteur. Il se rendit ainsi au travail avec toujours autant d'application, malgré ses nombreuses blessures. I probably should have retired in 88-89, but it's that competition. Maybe one more chance, me and Magic get together in the finals, but it never happened. C'est finalement en 1992 qu'il prit la décision de mettre fin à sa riche carrière, qu'il conclut avec 3 titres de champion pour autant de trophées de MVP. You told me one lie. You only told me one lie in your career. Only one. And you only lied to the fans and all the people in the world one time. You know what that lie was? You don't remember, do you? Larry Bird said that there would be another Larry Bird one day. And Larry, there will never, ever, ever be another Larry Bird. Sous la chaleur de Los Angeles, la carrière de Magic Johnson prit également un tournant dramatique. Durant la frénésie des années 80, le VIH était un virus encore méconnu. Les nombreux excès sexuels de Johnson se terminèrent d'une bien triste manière lorsqu'il découvrit sa séropositivité à la suite d'un examen anodin. Déboussolé et dévasté, il expliqua plus tard avoir conduit toute la nuit dans les rues de la Cité des Anges pour prendre conscience de cette féroce maladie qu'il avait contractée. Dès lors que cette annonce fut rendue publique, l'Amérique croyait devoir dire adieu à celui qui l'avait tant fait rêver. C'est au travers d'une conférence de presse devenue mythique que Johnson confirma sa séropositivité avec un étonnant optimisme. First of all, let me say late afternoon. Because of HIV virus that I have attained, I will have to retire from the Lakers today. I plan on going on living for a long time, bugging you guys like I've always have. I'm gonna go on, I'm gonna beat it, and I'm gonna have fun. Thank you again, and I'll see you soon. We're talking, you know, it's just, how you doing? I heard about it, and you can almost hear both of us with some tears in our eyes. And I'm choked up, because he did call me. You know, when something happens, to you, and then you find out who really your friends are.
and people who really care about you. Probably the two toughest days I've had since my father passed away, and I've been very depressed and sort of been out of it. Amoureux des projecteurs, Magic Johnson devait désormais faire face à la discrimination du public à son égard, à une époque où le VIH était un virus encore relativement incompris. Désormais ambassadeur de la maladie, il utilisa rapidement son aura dans un but de prévention. I'm helping every way that I can. The number one question everybody said, ask him how he's feeling. How is his health? It's the number one question. So here it is. I said, well, he looks great, but they said, but how is he? Yeah, I'm doing fine. Everybody in the camera. That camera, that was camera. Yeah, yeah, I'm doing great. Malgré sa décision de raccrocher les baskets, il fut sélectionné pour participer au All-Star Game 1992, dont il obtint le trophée de MVP. C'est finalement aux côtés de son alter ego Larry Bird qu'il connit son véritable chant du cygne, en rejoignant la Dream Team lors des Jeux Olympiques de 1992. Bien qu'ils obtinrent un temps de jeu limité, les deux compères furent précieux pour permettre à la sélection américaine d'écraser toute la concurrence et de remporter une médaille d'or cette année-là. C'est ainsi que se conclut la magnifique aventure de Larry Bird et Magic Johnson. Arrivés dans une NBA aux abois, ils quittèrent une ligue devenue florissante grâce à leur personne. L'éclosion de Michael Jordan fut synonyme d'un passage de flambeau pour la compétition qui était sur la route pour devenir l'une des plus populaires du monde entier. Ce qui se rapproche le plus d'un dieu sur cette pauvre terre, Michael Air Jordan. Larry Bird et Magic Johnson, deux génies du basketball que tout opposait, mais qui écrivirent ensemble l'une des plus belles pages de l'histoire de ce sport. Tout au long de leur carrière, les deux joueurs furent une motivation mutuelle pour toujours s'améliorer davantage et proposer un incroyable spectacle au public. Larry Bird ou Magic Johnson? Finalement, peu importe notre camp, nous avons tous été gagnants d'avoir pu admirer leur génie en action. Peu d'entre nous n'auraient entendu parler de la NBA aujourd'hui sans leur talent et leur charisme intemporel. Concluons donc cet épisode en exprimant le mot magique à ces deux drôles d'oiseaux. Merci. Life is magic. Yo, 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 life is magic. And I'm flying like a bird. I'm Elvis Dunk, though I'm just a six-footer. Fire on the basket, liars in the casket. I kill through my shot, and you better contest it. Cause life is magic, and I'm flying like a bird. Got the green like a sailor, and the gold like a Laker. Cause life is magic, and I'm flying like a bird. Five rings on one finger, and three on the other.